Cette série des mots de Jacques Laudin, intitulée « Le martyr de Saint Timothée et Saint Apollinaire » date du XVIIe siècle. Elle raconte le martyr donc, de deux saints qui sont venus convertir les Rémois de l'Antiquité, donc Saint Timothée et Saint Apollinaire, qui bien sûr n'ont pas été acceptés par le pouvoir en place et ils ont fini par avoir la tête coupée au niveau de l'actuel fort de la Pompelle. Donc ce martyr a provoqué leur installation dans une chapelle et donc au XVIIe siècle, pour commémorer ce martyr, a été réalisée une châsse sur laquelle ces plaques sont venues décorer en fait l'ensemble du reliquaire. On a replacé les plaques dans le sens de la lecture. Hein. Donc là, on a cet épisode donc, de Saint Timothée et Saint Maur en 14 plaques. Donc chaque plaque va raconter une étape bien précise de la vie de ces deux martyrs. L'objectif étant de les amener ensuite vers le ciel sur la dernière des plaques. Ces plaques sont en émail, c'est-à-dire ce qu'on appelle une technique des arts du feu, puisque ce sont des oxydes métalliques et des minéraux qui sont chauffés à très haute température et qui vont, sous l'effet d'une très forte chaleur, se vitrifier et donc donner cette apparence de verre. Chaque couleur va être liée à une cuisson bien spécifique, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par mettre un fondant blanc sur une plaque métal et ensuite chaque couche de couleur va faire l'objet d'une cuisson étape après étape. Ici, ces plaques ont aussi la spécificité d'être dessinées avec de l'or, donc il y a pas mal de détails. Là, principalement, ces plaques étant ce qu'on appelle en grisaille, c'est-à-dire avec des teintes principalement grises, blanches, noires, on a relativement peu de couleurs. Mais à certains endroits, en plus de la peinture dorée, l'émailleur a utilisé une peinture un peu rouge ou brune qui finalement met en relief hein, certains éléments comme une croix, un collier de chien, enfin voilà, donc vraiment la couleur est utilisée ici pour mettre en valeur certains éléments un peu plus anecdotiques si on peut dire, mais qui vraiment amènent aussi un petit peu de vie finalement dans ces plaques. Sachant qu'on a ici une série en grisaille, mais le musée a également une seconde série en couleur. Alors les châsses reliquaires ont été démontées à la Révolution française, donc les plaques ont été ôtées de leurs reliquaires et du fait justement d'une mauvaise conservation, les plaques ont été fortement endommagées. Nous avons donc fait restaurer une des deux séries qui est présentée ici. Et donc les restauratrices ont commencé par dérestaurer certaines restaurations anciennes, puisque au XIXe siècle, on utilisait des produits qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour les plaques à l'heure actuelle. Ensuite, elles ont nettoyé la surface de ces plaques pour leur rendre justement tout leur brillant. Et également, elles ont fortement travaillé à combbler les espaces où l'émail avait disparu, hein, puisque c'est un matériau fragile. L'émail, l'objectif étant de rendre une visibilité globale à chacune des plaques. On retrouve effectivement, du fait de la restauration, un certain nombre d'éléments, notamment dorés, hein, qui avaient tendance à disparaître sous la saleté précédemment. Et donc le doré va tout de suite redonner une clarté, une lumière à ces plaques qu'on ne leur connaissait plus jusqu'à l'heure actuelle.